Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte de voir les différentes, on va dire, les meilleurs logiciels qui permettent de faire du dessin vectoriel. Alors bien évidemment, au départ, je vais commencer par le fameux logiciel qu'on appelle Adobe Illustrator. C'est évidemment le logiciel par excellence, mais par contre, celui-ci est payant. À chaque fois, il faut savoir que, vous allez voir, je vais vous montrer différents logiciels, dont certains sont gratuits, d'autres gratuits, mais on peut avoir des options pro et payants, et ainsi de suite. Donc je ferai en sorte à chaque fois de vous mettre les liens au niveau des infos YouTube pour que vous puissiez y accéder comme moi. En fin de compte, bah évidemment, pour ceux qui connaissent Adobe Illustrator, pas de problème, vous pouvez faire de superbes choses. C'est évidemment le logiciel par excellence qui a été pris par les différentes, on dirait différentes entreprises ou les graphismes, les choses comme ça. Mais vous allez voir qu'il en existe bien d'autres aussi intéressants, aussi puissants. Alors peut-être pas autant, puisque évidemment Adobe, il y a évidemment beaucoup beaucoup d'argent qui est mis dedans, beaucoup de personnes travaillent dessus, mais vous allez voir que malgré tout, les différents logiciels que je vais vous montrer, il y en a vraiment des très intéressants. Donc par exemple, dans le cas d'Adobe Illustrator, il vous suffira de payer, je crois que c'est 23 euros, bah, c'est marqué ici, 24 euros par mois. Donc vous aurez la version cloud, où vous aurez accès simplement à Illustrator. Vous allez pouvoir faire en sorte d'avoir d'autres logiciels si besoin, mais moi je voulais au moins vous parler du dessin vectoriel. Donc là, je vous laisserai regarder, hein, vous avez différentes informations, présentations, et ainsi de suite. Le prochain logiciel vectoriel s'appellera tout simplement Inkscape. Alors pour ceux et celles qui suivent ma chaîne YouTube, bah vous avez dû voir que j'ai une playlist qui s'appelle justement Comment apprendre et à utiliser Inkscape. J'ai déjà fait plus de 27 vidéos, donc à ce niveau-là, je ne vais pas vous le présenter. Par contre, c'est vraiment un superbe logiciel qui est gratuit pour commencer, qui est open source, qui va fonctionner à la fois sur Windows, Mac et Linux. On pourrait dire que celui-ci a deux bémols, mais vraiment c'est ridicule par rapport, d'une part qu'il est gratuit et que celui-ci vraiment offre des possibilités assez extraordinaires, surtout si vous êtes bon en dessin. Donc par exemple, vous avez fait un superbe dessin, vous voulez absolument l'imprimer sur un t-shirt et votre imprimeur vous demande, bah très bien, il me faudrait le modèle en CMJN. Là, dans ce cas-là, Inkscape ne sait pas faire. En tout cas, apparemment sur Windows et sur Mac, puisque sur Linux, il existerait un plugin qui permet maintenant de convertir cela. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une autre manière de faire. Je crois que dans ces cas-là, il suffirait de prendre Scribus pour récupérer, c'est un autre logiciel de vectoriel, je ne vous parlerai pas, mais je vous en parle comme ça, qui permet simplement de récupérer le fameux fichier SVG et après le transformer tout simplement en CMJN. Mais je vous dis, c'est vraiment un super outil. Là, par rapport à ma playlist, vous pouvez voir, là aussi, je vous mettrai les liens au niveau de l'info YouTube, vous allez pouvoir récupérer déjà 27 vidéos. Donc autant dire, vous avez de quoi faire. Le prochain, c'est CorelDRAW Essentiel 2021. Alors celui-ci par contre n'est pas donné, vous voyez 130 euros, mais malgré tout là aussi vous allez faire de superbes choses. Si je scrolle un peu, vous pouvez voir qu'on arrive vraiment à avoir des résultats extraordinaires. Mais bon, là aussi, toujours pareil, ça dépend quelle est votre utilisation. Êtes-vous un professionnel? Êtes-vous juste un débutant ou un passionné qui cherche à avoir des outils pas trop chers ou tout simplement gratuits? Moi je vous montre les différentes solutions qui existent, sachant que je ne vous les montre pas tous, mais on va dire que je vous montre les plus utilisés tout simplement. Vous voyez, au fur et à mesure, je défile et regardez, on arrive à faire vraiment des superbes choses. Donc le prochain, il s'appelle tout simplement Affinity Designer. Celui-ci coûte 59 euros et vous aurez, alors on va dire, la version 1, sachant que la version 2 n'est toujours pas sortie. Donc autant dire que vous aurez vraiment un très beau produit. J'avoue que je ne l'ai pas encore acheté, mais il m'intéresse. J'ai trouvé qu'il arrive à faire des superbes choses. Alors après, c'est tout un apprentissage, bien évidemment, mais j'ai trouvé très intéressant. Celui-ci va pouvoir s'installer à la fois sur Windows ou sur Mac, et même, j'ai trouvé ça assez intéressant par rapport à ça, c'est iPad. C'est-à-dire que vous allez pouvoir simplement le récupérer, alors sûrement sur Apple Store ou autre application, pour pouvoir récupérer celui-ci, et on arrive à faire vraiment des superbes choses. Si vous regardez un petit peu, regardez, on a vraiment des beaux dessins, des beaux coloris. À mon avis, celui-ci est vraiment très intéressant, et je pense que je ferai incessamment sous peu une vidéo, une fois que j'aurai acheté, bien évidemment. Si vous voyez par exemple, on a un vectoriel tramé. Si vous regardez ici, on a un vectoriel tout simplement uniquement. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire avec Illustrator ou alors tout simplement Inkscape, comme je vous montrais tout à l'heure. CorelDRAW aussi, mais CorelDRAW, je ne le connais pas trop. Donc bon, je vous en parle comme ça. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est juste vous montrer tout ce qui existe, entre guillemets, les meilleurs, et voir quels seraient ceux qui vous intéressent. Apparemment, l'interface graphique n'est pas très compliquée. Vous voyez, on a quelque chose de pas très. Pas trop pénible, parce que j'aime pas souvent les logiciels où il y a trop d'outils de partout, on ne sait pas où cliquer ou que faire. Évidemment, celui-ci va gérer la gestion des calques. Enfin, comme beaucoup de logiciels, hein, que cela soit Inkscape, que ce soit Adobe Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer et le prochain que je vais vous montrer, évidemment, la gestion des calques, il y a différents outils qui font que
vous retrouvez approximativement les mêmes choses. Très souvent, c'est simplement des petites subtilités qui font que celui-ci va donner plus de puissance à tel ou tel logiciel. Et justement, par rapport au dernier, celui-ci s'appelle tout simplement Gravit Designer. Donc là, en fin de compte, celui-là, très intéressant aussi, si vous regardez, il va permettre, en fin de compte, à la différence des autres, c'est que celui-ci va directement marcher en ligne. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer sur votre ordinateur, que vous soyez sur Mac, Linux ou Windows, pas de problème, l'installation est en ligne. Mais attention, on va dire que celui-ci a un petit hic, c'est simplement que celui-ci coûte, donc il est gratuit, mais vous aurez une version, entre guillemets, allégée. Par contre, si vous voulez la version payante, il vous suffira de payer, on va dire, 45 euros. Donc là, si je vous montre un petit peu ce que j'ai fait avec, puisque j'ai commencé à vouloir jouer avec pour comprendre un peu comment celui-ci fonctionne. Voilà, donc là, on arrive au niveau de l'interface. Alors, si on regarde un petit peu avant, comment il faut faire, il faudra tout simplement créer un compte. Ensuite, automatiquement, une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez un email qui vous dit OK, cliquez dessus pour accéder. Et après, c'est tout ce qu'il y a à faire. Là, automatiquement, vous allez avoir différentes façons de faire. C'est que vous allez pouvoir définir soit votre résolution ou mettre une résolution, on va dire, par défaut. Vous voyez, on peut faire aussi par rapport à un modèle et ainsi de suite. Ça dépend ce que vous voulez faire. Moi, je suis parti de zéro et voilà ce que je me suis amusé à créer assez rapidement, j'avoue, en même pas une heure. J'ai pu créer ce genre de choses. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec ce logiciel, c'est que celui-ci, en fait, comme je vous dis, il est en ligne et surtout, on retrouve approximativement les outils, on va dire, de base du logiciel Inkscape. J'ai pas trop utilisé Illustrator, j'ai utilisé il y a quelques temps, on va dire il y a 2-3 ans de ça, mais ce qui me déplaisait, c'est qu'à chaque fois, il fallait payer, payer constamment, dès que je voulais arrêter, c'était assez pénible. Moi, j'avoue qu'il existe tellement de logiciels gratuits, je préfère vous présenter tout ce qui peut exister, bien évidemment, à vous de faire votre choix. Et vous voyez, celui-ci, on va pouvoir donc évidemment gérer la gestion des calques, on va avoir différents outils au niveau des courbes de Bézier, on va pouvoir mettre du texte, des... On va pouvoir mettre des images et ainsi de suite. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.